Bonjour Michel. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Vous avez fait vos études à Hangzhou et à Xi'an et vous travaillez actuellement à Shanghai. Quelles sont vos impressions sur ces trois villes chinoises? OK, tout d'abord, je vais commencer par la ville d'Hangzhou. Hangzhou, c'est une ville que j'ai trouvée incroyablement paisible et belle, avec son lac de l'Ouest, ses paysages naturels et son équilibre entre modernité et tradition. C'est un lieu vraiment idéal pour les études, surtout pour ceux qui apprécient un environnement calme. Et la ville de Xi'an, c'est une ville que j'ai trouvée profondément marquée par l'histoire. La ville regorge des sites historiques comme les soldats des terres en cuite et les anciens remparts. Ce sont des lieux vraiment touristiques dans la ville de Xi'an. Donc, Xi'an conserve une atmosphère plus traditionnel par rapport à des grandes villes comme Shanghai et Hangzhou. Concernant la ville de Shanghai, où je travaille actuellement, Shanghai, c'est une métropole vibrante et moderne. C'est une ville à la fois rapide, innovante et cosmopolite, offrant une qualité de vie urbaine incomparable. J'ai trouvé aussi que Shanghai, c'est une ville qui offre beaucoup d'opportunités d'emploi aux étrangers comparativement à Xi'an. Je peux dire qu'à Shanghai, les entreprises recherchent souvent les talents internationaux pour des rôles dans le commerce, la technologie, l'enseignement et d'autres domaines. Shanghai, c'est une ville plein de possibilités pour les étrangers, mais il est essentiel d'être bien préparé et de se démarquer dans un environnement compétitif. Quels sont les aspects de la Chine qui vous intéressent particulièrement? La Chine, c'est un pays qui se distingue par son hospitalité chaleureuse et sa richesse culturelle. Donc, les Chinois sont généralement très accueillants envers les étrangers, souvent curieux et désirer de partager leur culture. Ce que j'aime particulièrement dans la culture chinoise, c'est son profond respect pour les traditions, qui se manifeste dans des aspects tels que les fêtes traditionnelles, la cuisine et l'art. Je peux donner l'exemple, comme les fêtes, comme les Nouvel An chinois, avec ses coutumes et ses célébrations, cela montre l'importance de la famille et des ancêtres. Aussi, la diversité de la cuisine chinoise, avec ses saveurs et techniques variées selon les régions, comme à Xi'an, je peux illustrer les cuisines de là. Cela, c'est vraiment un aspect fascinant que j'aime de la Chine. Je peux aussi dire que la Chine, tout en étant ancrée dans ses traditions, est aussi un pays en constante évolution, où la modernité et l'innovation se mêlent à une histoire millénaire. Donc, c'est cette combinaison des traditions et des progrès qui rend la culture chinoise si captivante à mes yeux. La langue est un outil de base essentiel pour s'intégrer à la vie locale. Pouvez-vous partager avec nous vos astuces pour apprendre le chinois et recommander des plateformes ou des applications utiles pour ceux qui veulent améliorer leur chinois? Pour apprendre le chinois, il est vraiment essentiel de pratiquer régulièrement et d'utiliser une combinaison de méthodes. Par exemple, le premier exemple, je peux parler de la pratique quotidienne. Si l'on consacre du temps chaque jour à écouter, à faire la lecture, l'écriture et la conversation, même entre 15 à 30 minutes par jour, cela peut faire une grande différence. Je peux aussi donner un deuxième exemple, par exemple, pratiquer de la conversation, participer à des échanges linguistiques avec des locuteurs natifs. Donc, on peut parler avec les Chinois, échanger, cela peut permettre à vraiment améliorer son accent quotidiennement. Et je peux aussi donner le troisième exemple, les applications mobiles des dictionnaires. Les applications comme Pleco, donc c'est l'une des applications
qu'on peut même avoir dans son téléphone. Ces applications sont excellentes pour mémoriser les caractères chinois et les vocabulaires. Donc, c'est vraiment important aussi de regarder sur les vocabulaires. Je peux aussi donner la quatrième méthode, participer à des groupes ou des forums en ligne. Je peux dire essayer de rejoindre des communautés sur WeChat, Instagram ou Facebook, où vous pouvez poser des questions, partager des ressources ou trouver le soutien. Est-ce que vous voulez bien partager avec nous une expression ou un proverbe chinois qui vous ont particulièrement marqué ou impressionné? Je peux dire Di Shui Chuan Shi. Donc, Di Shui Chuan Shi, ce qui signifie une goutte d'eau peut percer la pierre. Ces proverbes illustrent l'idée qu'avec la persévérance et de la constance, même les tâches les plus difficiles peuvent être accomplies. Donc, cela m'inspire à rester patient et déterminé face aux défis, en me rappelant que chaque petit effort compte et qu'avec le temps, les progrès s'accumulent pour atteindre des objectifs apparemment inatteignables.